Ici Lupina pour l'épisode 37, je crois. J'ai son baby challenge. 37? 38? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Bref, pour un épisode du son baby challenge. Clara vient de se lever. Ouais, ouais. Ah, tu vas t'occuper de ta petite fille qui nous fait chier. Alors, on en est où? On en est à ce que Clémentine est enceinte et Lontia, je l'ai relooké. Pardon, Keraline pleure. Et Clara, bah, Clara est vieillie. Hein. Enfin, elle est déjà vieille, vous me direz. Je sais pas quand est-ce qu'elle meurt, en fait. Et bah, visiblement, quand ce sera là. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas du tout. On va quand même prendre soin d'elle. Est-ce que ma vieille, tu peux faire quelques plats? Cuisiner, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, ça me donne tellement faim. Boulette de viande à l'italienne. Allez, c'est parfait. Et ensuite, Tira peindre une toile. On est dimanche. Oh, bah c'est cool ça. Elantia est debout. Que le mignon. Voilà, je lui ai mis un petit pyjama rose. Je sais pas si elle aime le rose en vrai, mais... Elle est servie. Je me venge. Je me venge. Parce que dans une série, elle a mis du rose. Enfin, vous l'avez vu maintenant, de J1P, elle a mis du rose dans la maison alors que c'est que j'aime pas. Donc, elle est toute vêtue de rose. Voilà. On s'en fout. Alors. Ensuite, elle en sait, quand tu auras fini son dessin, tu viendras manger de ça. Et puis, elle dort. Qu'est-ce que tu peux faire d'ailleurs? Tu iras faire un pissou, déjà pour commencer. Ensuite, tu iras manger quelque chose. Du poulet, ce sera parfait. Oh, je trouve. Et ensuite, tu t'occuperas du jardin, parce que là, ça craint, mais violemment. Hop, allez, go. Et quand tu auras fini tout ça, bah, je sais pas ce que tu pourras faire. On pourra pirater, peut-être. Alors, programmer, pirater ça. Programmer, pirater ça. Et puis, t'entraîner à programmer. Créer un virus. Ça peut être utile. Alors, toi, tu fais ta toile, tranquille. Elantia, t'as bien fait tes petits devoirs, donc c'est parfait. Tira, continuer de faire des peintures. Ouais, donc ça, tu pourras te débarrasser. Zoup. Où est-ce qu'elle va? Elle fait des bêtises. Et tu vas dessiner des véhicules. Je sais pas où elle va mettre son assiette par contre. Et si vous entendez un bruit, c'est mon chat qui croque son jouet en fait. Il se fait les dents tant que c'est pas sur mes câbles. Ça bête. Ça bête. Alors, et Clémentine, c'est moi Lucas. Je voudrais. Non. Non, merci. Hein? Je sais même plus de qui je suis enceinte. De Taram, je suis enceinte de Taram. Ensuite, ce sera le mec qui a les cheveux verts, là. Ok, donc ça. Ça. Joseph. Hop. Oh, foutez-moi la paix, les mecs. Vous m'intéressez plus, là, maintenant. Non, mais j'y crois plus, là.
Du coup, nourrir au biberon, apaiser, babiller, bercer, tout ça, tout ça. Ah, Kéraline, t'es chiante, Kéraline. Oh, c'est bientôt son anniversaire en plus. Toi, la réaliste. Donc, t'as amélioré ta compétence, c'est parfait ça. Prendre une bouture, arroser. Il n'y a plus à entretenir le jardin, pourquoi? C'est bizarre. Toi, tu peux le faire? Ouais, bah c'est juste qu'elle est pas assez élevée alors. Tu n'es pas assez élevée, tu entends? Non, c'est bon là, elle est contente, la petite, c'est bon. Du coup. Et toi là-haut, qu'est-ce que tu fais? C'est bon, t'as fini. On va mettre ça là. Ça me gratte le nez, je suis désolée. Excusez-moi pour ce moment glamour. Oula, le social, c'est pas top, hein. Ensuite, tu iras faire chier ta mère ou ta grand-mère, je sais pas. Tu iras faire chier ta mère après, Lancia. Maman, tu viens voir. Non, je sais pas ce qu'on va faire. Amical, demander à toucher le bébé. Demander comment s'est passée la journée. Drôle. Se moquer des adultes. Raconter une histoire idiote. Voilà. Ah, oh, ça me gratte, c'est atroce. Et Kéraline est encore en train de pleurer. Mais cette gosse, c'est pas possible. Changer la couche. Poudiou. Oh, elle est trop belle cette toile. Je vais la garder aussi. Je sais pas où je vais la mettre, mais. Ah non, elle a pas fini, pardon. Ben, si, pour toi. Où est-ce qu'on peut la mettre? On va la mettre dans la chambre de Clara. Tiens, ça fera une petite déco. Parce que c'est très, très le vide dans la chambre de Clara quand même. D'ailleurs, vu qu'on est là, on va décorer sa chambre. Ce sera pas mal, je pense. Oula, non. Ouais, ça, on va mettre ça. Je sais pas. Mais celui-là, on va mettre ça en bleu. Voilà, en fait, c'est comme un rideau coulissant dans ma tête. Si on mettait des peintures, des cadres, quelque chose. Parce que bon. La pauvre Clara, quand même. Bon, voilà. Zou. T'en es où, toi? Oui, c'est bien, t'as fait un avion, c'est génial. Youpi. Non, c'est même pas un avion, c'est une voiture, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux, cette mioche? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui. Bon, bah, désolé, tu vas plutôt embêter ta grand-mère. Non, laisse tomber. Elle va faire pipi. Elle est où, ta grand-mère? Elle est là. Tu vas venir l'emmerder. Ah, faire connaissance. Discuter des centres d'intérêt. Raconter une histoire drôle. Complimenter sincèrement. Voilà. Et voilà comment je l'ai relookée. Du coup, je la trouve trop kiki. Ah, oh, dites-moi ce que vous en pensez. Dans les commentaires. Voilà, donc son social va monter, puis celui de la grand-mère aussi, comme ça. Hop. Raconter une histoire scandaleuse à une enfant, mon Dieu. Désolée, j'ai avalé de travers. Je suis en train de m'étouffer en direct. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Na di na na. Oh, ouais, ça c'est cool ça. On n'a pas intérêt à se faire choper par contre. Oh là là, encore envie de faire pipi. Bon bah.
Du coup, vous, c'est bon. Oh là, toi, t'as envie d'uriner. Alors, tu vas y aller. Et toi, bah toi, je sais pas ce qu'on peut te faire faire, écoute, gamine. Hein. Créativité. Bah c'est bon, ça, c'est parfait, la créativité. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Tiens, je sais. Tu vas plonger. Fais la bombe. Allez, zou. Un, deux, trois, plongée. Allez. Oula, oulala, oulala. Ouch! Ça a dû faire mal, ma pauvre. Ma pauvre. C'en est où de ton bébé, toi? Nouveau bébé, on s'en fout. Je parle de celui-là. Oh, dans longtemps, c'est dans longtemps. En parlant de nouveau bébé, comment il va, celui-là? Une toile. Ouais, elle a grave envie de pisser, donc tu vas y aller. Hein, avant d'avoir un accident. Oh non! Oh là là! Bah, répare. Zou. On va arroser. Est-ce qu'on doit désherber quelque part aussi? Ça n'a pas l'air. Je suis désolée si vous entendez un bruit, c'est mon chat qui fait caca. Voilà. Que j'entends gratter là et je me demande si vous n'allez pas l'entendre avec le micro. Ça ne m'étonnerait pas. Clara. Clara, franchement, ça va, hein. Ça va. Prendre une douche. Et la petite Elancia. Quelle mignonne. Oh, petit boudin. Donc, on est dimanche, donc demain, elle aura. Elle aura. Oh, c'est mignon. Mais bon, je vais quand même le vendre. Elle aura cours, la gamine. Oh, ah oui, c'est ça que je voulais voir. Clémentine, dépêche-toi de manger, qu'on aille voir un truc. Mais alors, déjà, tu vas acheter ça. Et. Des modules d'extension, modifier des jeux. Non, c'est pas ça. Plus de choix. Web. Je regarde, normalement, on peut modifier les notes. Et je sais pas si c'est genre les siennes, donc dans ce cas-là, on s'en fout. Ou si c'est celle de ses enfants. Et là, ce serait pas mal. Ce serait très, très drôle. Je sais pas. Bon, je pense que c'est les siennes, donc créature du vide, on s'en fiche des livres. Plus de choix. Ouais, bah ça a l'air d'être les siennes, donc c'est pas très intéressant. Dommage. Créer un virus. Non, Alan, on s'en fiche de toi. Alors, du coup, je vais nous refaire une toile. Oh la pauvre. Eh bien toi, ça va, hein? Pleine forme, la force de l'âge. T'inquiète, tu auras bientôt Keraline qui va jouer avec toi. Tu seras moins seule. Parce que bon, bah ta mère, elle court les rues, donc elle peut pas tout faire, hein? Aïe, alors. Du coup, ma petite Elantia, tu vas manger un truc. Ensuite, tu iras aux toilettes, à la douche et te coucher. Ça te dit d'y aller? Non, ça ne nous dit pas d'y aller. Ah, oh, c'est trop chelou. Oh, j'aime bien. C'est bizarre comme toile, mais j'aime bien. Bon, alors, tu vas changer la couche. Nourrir, tu vas manger un truc accessoirement. Allez, go. Et ensuite, tu iras aussi te coucher. Et Clémentine, où t'en es? Clémentine, tu iras aux toilettes.
prendre une douche et dodo. Hop. Allez, allez, allez. Donc ça c'est bon. Elle dort bientôt. Il est 23h donc c'est parfait. Hop, dodo et Clémentine, qu'est-ce que tu fais? J'espère que t'as bientôt fini là. Bon, la douche, ça peut. C'est pas tant... Allez, c'est bientôt fini. Allez, 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 allez. Voilà, elle a créé un virus. Je sais pas trop à quoi ça va servir, mais bon. Programmé. Ah non, elle a pas fini. Oh! 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 Il restait genre rien du tout, c'est. Allez. Et bah voilà! Allez, au dodo. Bon, du coup, c'est qui se réveille en premier? C'est Clara pour un pipi. Ensuite, tu vas nettoyer ça. Et ensuite. Ensuite, bah, tu vas t'occuper d'elle. Kéraline, tu nous fais chier, hein? Pauvre Kéra. Putain, heureusement qu'il n'y a pas les bambins, parce que sinon je pense que j'aurais pété un câble. Oh, bah dis donc, c'est l'anniversaire de Kéraline, oh là là! Bah, et on va lui changer d'âge, cette petite. Voilà. Tout simplement. Allez, zou, voyons voir à quoi elle va ressembler. Oh, elle est trop mignonne. Oh, I love you. Alors, quitte. C'est un enfant très social. Et quitte. Amatristar. C'est parfait. C'est perfecto. Oh, petit boudou, t'es trop kiki. Attendez, on va voir un petit peu. Oh my god. Oui, alors comme ça, tu fais peur par contre. Attends, prends une tête normale, s'il te plaît. Non mais normal, on a dit. Ok, on dirait que ses yeux bug. Bon, bah elle est plutôt mignonne. Je la relookerai elle aussi hors épisode. Comme d'habitude, vous allez me dire. Donc, ma petite Kéra, tu vas venir faire tes devoirs. Et Antia, ça se passe comment pour toi? T'as bientôt cours, non? 6 heures, ouais, bientôt, vite fait quoi. Tu vas manger des céréales. Allez, Zou. Zou, 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 zou. Normalement, toi, t'as pas cours. Hein. Parce que tu mangeras un truc, ma petite Kéra. Ma petite Kérounette. Voilà, donc il n'y a que Elantia qui a cours pour le moment. Vu qu'elle vient de grandir. Toi, c'est bon. T'iras manger aussi. Il me semble que toi, par contre, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu vas manger du poulet. Mange du poulet. Devoir terminer et un chef-d'œuvre. Allez, ça c'est fait. Donc, Elantia va à l'école. Toi, t'as terminé. Oui, on veut vendre le chef-d'œuvre. Bah, j'ai dit de manger un truc, cocotte. Bah, mange un truc. Fais pas ta bébête. Donc, Elantia, tu vas réviser assidûment. C'est important. Du coup, tu vas nous faire une toile. Toi, tu vas venir là. Tu vas réclamer celui puisque c'est le tien. Et tu vas t'entraîner. Voilà. Elle est crevée, par contre. Tu poupounes.
Ça, c'est cool, ça. Oh, le bidou. Oh, le bidou. Attends, parce qu'elle est à combien de trimestres la deuxième? Elle est qu'au deuxième? Ah non, elle est déjà au troisième. Ok, d'accord. Bah, elle est déjà au troisième. Hein. Ah la vache. Ça passe vite. Ça passe très vite. Du coup, ton social, c'est pas ça. Alors, on va discuter avec tes futurs. Donc, lui, discuter et lui. Voilà, donc ces trois-là, c'est fait. Ça, on va vendre. Et ensuite, Clémentine, tu iras t'occuper du jardin. Et oui, c'est important. C'est important. Alors, arroser et puis tout récolter. Et je pense que cet épisode est terminé exactement. Donc, je vous fais plein de gros bisous, mes petites choucrouloutes, et salut!